Bonjour, c'est Dominique au micro dans son émission Photo, on en parle. Vous êtes bien sur RVL 103.1 et aujourd'hui, plusieurs invités autour de cette table et nous allons parler photographie, comme d'habitude, une fois par trimestre. Et je reçois des gens de l'association Zoom en scène, Zoom en scène qui se porte bien puisque vient de fêter son 20e anniversaire. Mais avant, je voudrais faire une petite insertion, un petit message, un petit peu perso par rapport aux associations photographiques de la région. Photo, on en parle, existe depuis déjà une dizaine d'années, plus de 10 ans, même. On est dans la 11e année, et on a brassé énormément de monde autour de ces micros, et puis beaucoup de relations, beaucoup d'invitations à aller voir des expositions, et je suis allé voir il y a pas longtemps 2 expositions. Alors, je voudrais remercier surtout les organisateurs et les encourager à donner suite à ces 2 grandes manifestations photographiques qui ont eu lieu il y a quelques jours, à savoir Spot Nature au Jardin Suspendu et le salon photographique de l'association Reflex à Octeville-sur-Mer. Merci pour la qualité de votre travail et le dévouement que vous faites preuve pour organiser cet événement. Rappelons au passage que tout repose sur le bénévolat. Donc ce sont des grosses manifestations, chers amis auditeurs, et ces manifestations ne peuvent voir le jour que si on aime ce que l'on fait, si on aime la photographie, que si on l'aime la vie associative. Donc en l'occurrence, ce sont des photographes amateurs. D'une part, Reflex à Octeville, donc un très beau salon avec des belles images, un autre salon qui était, enfin pas un salon, un salon on va dire, à Spot Nature au Jardin Suspendu. Donc je voulais juste faire une petite parenthèse et puis remercier les responsables de ces deux associations, Christian Roquet et puis Marc Alizier, qui œuvrent dans le monde de la photographie déjà depuis quelques années, mais c'est très 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 important de les encourager. Voilà, c'était une parenthèse pour eux en ce début d'émission. Aujourd'hui, je reçois Zoom en scène et ses adhérents photographes. Alors au début, je voudrais aussi vous dire que ce qui serait bien, c'est que vous annonciez si vous avez des sites internet, si vous avez Instagram, si vous avez Facebook, une page Facebook, eh bien de l'annoncer et de donner l'adresse pour que en direct les gens puissent aller voir votre site internet ou votre page Facebook ou Instagram. Voilà. Alors je voudrais faire une petite introduction aussi par rapport à mes invités de Zoom en scène, parce que suite à une première exposition il y a 20 ans au Centre d'expression musicale au Havre, un groupe de copains prirent la décision de créer l'association Zic et Zoom. Zic pour la musique, Zoom pour la photo. C'est bien plus tard que l'association a pris le nom de Zoom en scène, et cela n'est pas le fruit du hasard, puisque l'un des membres, DH, exposa à Beaubourg avec le titre d'une exposition « Regard sur scène ». En 20 ans, l'association Zoom en scène a réalisé un beau parcours, alors qu'aujourd'hui, derrière les micros de ce studio, les membres nous parleront de leur association, de leur passion et de cette exposition qui se tient à Gonfreville-l'Orcher, à l'espace culturel de la Pointe de Caux, et cela jusqu'au 23 juin. Alors, autour de ce micro, Stéphane Tigargar, président de l'association. Stéphane, tu pourrais présenter peut-être tes adhérents qui sont autour de la table. Donc, il y a 2 adhérents. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, autour de la table, il y a Honore Dame Virginie Blanchard, qui est notre secrétaire. Bonjour. Et Denis Ahusseau, qui est membre de l'association depuis 10 ans. Bonjour. Et autre question, l'historique de cette association, Stéphane, c'est toi qui as créé cette association. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu. Alors, c'est venu comment? Enfin, j'en ai parlé un petit peu dans l'introduction, mais Zic et Zoom. Je pense que tu peux nous en parler un petit peu. Oui, donc on remonte le temps déjà, ça fait 20 ans.
Il y a 20 ans, naissait Facebook, donc imagine un peu comment ça date. Alors, à la base, c'est parti de d'une histoire de copains, si je peux me permettre, Dominique, puisque c'est à tes côtés, ainsi qu'avec Wilfried Lamotte, qui est toujours le vice-président de notre association, que nous avons décidé d'exposer pour la première fois en 2003 sur les cimaises du SEM, qui était à l'époque rue Franklin, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Donc c'est une exposition qui rendait hommage à la scène havraise, principalement, la scène rock havraise. Et c'était une exposition qui a très bien marché, qui a beaucoup plu, et qui a tourné sur le Havre, dans des lieux comme le THV, dans des centres sociaux, des mairies, etc. Et c'est à l'issue de cette belle première réussite qu'on a décidé de monter l'association Zoom en scène. Donc on a monté un bureau avec Virginie qui nous a rejoint en tant que secrétaire, Sonia, mon épouse, en tant que trésorière, et puis d'autres membres sont arrivés au fur et à mesure des années, sont repartis, donc la vie d'une association normale, entre guillemets. Voilà. Oui, voilà, c'est-à-dire sans trop de moyens, bien sûr, comme beaucoup d'associations, mais beaucoup de volonté et de bénévolat. Oui. Donc Stéphane, cette association a travaillé. Est-ce que tu nous disais que il y a eu beaucoup d'expositions dans la région, à commencer par ici d'ailleurs à Épouville. Oui, à Épouville. Si je comprends bien à l'espace Arsène Lupin. Et puis il y a eu la mairie de Fontaine-la-Mallée, la mairie de Grand-Couronne, le Sirocco à Saint-Romain-de-Colbosse, la Maison pour tous et bibliothèque à Saint-Romain-de-Colbosse. La mairie de Grand-Couronne. Oui, le cabaret électrique, le Havre, le THV, tu l'as dit aussi tout à l'heure. Donc tout ça, le CEM, le Centre d'expression musicale, qui est aujourd'hui à l'ancien fort de Tourneville, le Théâtre des Bernouches aussi, et puis la ville de Montivy, et la MISC aussi à Montivy. Et donc ça fait beaucoup de lieux d'exposition, beaucoup d'expositions. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 20 ans, en fait, tiens, avant de commencer l'émission sur le vif du sujet? Déjà... les 20 ans de Zoom en scène coïncident avec les 20 ans d'une autre grande institution, le festival Westpark. Donc, qui a commencé à ses premières notes de musique dans le parc de la mairie d'Harfleur. Et nous étions là dès le départ, en argentique à l'époque. Il est bon de le rappeler. Voilà, donc à l'époque, il y avait une petite scène... quelques petites caravanes, et maintenant c'est pratiquement 5000 spectateurs par jour. C'est la grosse cavalerie, ça. La grosse cavalerie, et on est toujours là. Ouais. Donc, mais les premières expositions avaient lieu dans le parc, si je me souviens, d'Harfleur. C'est ça. Et il me semble avoir vu des photos sur des étangs à linge. C'est ça, il y avait... avec Wilfred, on s'était dit, vu que l'ambiance est un peu... un peu camping avec des caravanes sous les arbres et tout, on s'est dit on va prendre des étangs à linge, des pinces à linge, on va tirer des photos format A3 et on va les plastifier et on va les étendre comme on étend des slips et des chaussettes pour sécher son linge. C'est gentil ces photos. Voilà. Comparé, et donc bon, remarque, ça marquait les esprits. Oui, parce que je m'en rappelle, tu vois. Voilà, alors c'était il y a 20 ans. Et moi, j'en faisais pas partie de cette exposition parce que faut dire aussi qu'il y a une tranche d'âge qui nous sépare. Oui. Une petite tranche. Ouais. Et ce qui fait que je ne partageais pas tout à fait les mêmes morceaux musicaux que vous, les mêmes chanteurs, les mêmes ceci, les mêmes cela. Donc, sauf Little Bob, bien sûr. Sauf T-Bob. Notre maître à tous. Oui, bien sûr. Oui. Qui sera en concert d'ailleurs ce soir au Magic Mirror. Eh ben vas-y. 84 ans, je profite. Et signaler aussi que Wilfried, donc notre vice-président, est aussi membre de la team de Little Bob pour la partie régie technique et puis accompagnement de l'artiste. Donc c'est un peu l'homme
aux multiples couteaux suisses. C'est le couteau suisse, j'allais dire. Et ben, nous allons faire notre première pause musicale avec une chanson d'une regrettée chanteuse que nous, les jeunes, d'autrefois, on a bien connue. C'est Françoise Hardy. Donc, Romain est en régie qui m'insiste. Alors oui, j'ai oublié de dire au début d'émission que ce n'est pas Cyril, hein, c'est Cyril est au polar à la plage et c'est Romain qui prend le relais à la technique, parce que moi la technique je connais rien. Donc merci Romain de m'assister au passage. Et puis alors c'est quoi la chanson, Romain ? C'est Partir quand même. Merci. Et oui, vous êtes bien sur RVL dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique et ses invités et plus précisément Zoom en scène, les adhérents de cette association, une partie des adhérents. Et là, nous allons laisser la parole à une exposante qui s'appelle Virginie.
Et Virginie en face de moi, un joli sourire. Et puis je lui dis, bah écoute Virginie, ça va être à toi au micro de présenter tes œuvres. Alors j'ai vu l'exposition, ce que tu as fait, c'est ça me plaît beaucoup parce Merci. Que c'est tout à fait de genre d'image que j'aurais bien aimé faire aussi, mais on a fait autre chose. Alors parle-nous de ton sujet. Alors moi j'ai choisi d'exposer cette année les lieux abandonnés. Mieux connu sous le nom d'urbex, que je me refuse d'utiliser parce que j'ai passé l'âge de faire de l'urbex. Ce sont plutôt des jeunes gens qui font ce type d'exploration. Explique-moi la différence entre urbex et les zones que tu photographies abandonnées. Alors déjà, moi, ça fait quand même pas mal de décennies que je vais dans ce genre de lieu et ce n'était pas appelé urbex à ce moment-là. Donc le terme d'urbex, c'est quelque chose d'assez récent, mais c'est le même principe en fait. C'est découvrir des lieux abandonnés aussi bien parce que tu te balades et que tu vois, tiens, une grange abandonnée, une maison en train de s'écrouler, un manoir, un château. Et des friches industrielles aussi, j'aime bien aussi faire de la friche industrielle. Et dans un premier temps, c'était de la balade et observer ce qu'il y avait à ces endroits, parce que la nature reprend ses droits et je trouvais ça super joli également. Et puis au fur et à mesure, j'ai photographié ces endroits-là. Alors pourquoi aussi je ne souhaite pas utiliser le nom d'urbex ? Parce que malheureusement... beaucoup de personnes se mettent à faire de l'urbex et c'est déjà quelque chose de dangereux. Pourquoi dangereux ? Alors parce que on arrive dans des endroits qui sont vétustes, qui sont en train de s'écrouler en partie, qui sont glissants, des planchers qui s'effondrent ou qui vont s'effondrer incessamment sous peu sous le poids des gens. Et malheureusement, le mois dernier, en Normandie, on a eu 3 morts entre 15 ans et 19 ans. Comme on en entend de plus en plus parler, on est au courant maintenant aussi qu'il y a de terribles accidents. La preuve, c'est que là, sur 3 lieux différents, il y a eu 3 jeunes qui ont laissé leur vie. Oui. Donc, promouvoir l'urbex parce que malheureusement. Alors, l'urbex, c'est aussi les entreprises abandonnées, c'est tout ça. Oui, quoi. C'est donc, aussi des friches industrielles. Friches industrielles, ouais, également. Ouais. Mais dans toi, ce que tu photographies, c'est l'intérieur de maison, de ce que j'ai pu voir, de ce genre de choses. Oui, là, ce que j'ai exposé, c'était. C'est la vie des gens que tu vas photographier, mais il n'y a plus personne dedans. Quoi. Voilà, alors souvent... Est-ce qu'il reste des traces justement de leur passé ? Oui, est-ce que tu t'intéresses un petit peu à fouiner un peu alors, en regardant dans un truc, un tiroir, des documents qui resteraient Je n'ouvre rien, je ne touche à rien. Mais bien souvent, les lieux, il y a eu déjà du passage auparavant, ou même du tri de fait par les familles, et il y a des documents, des photos qui sont visibles sans que l'on retourne des tiroirs, etc. On a les noms des propriétaires. Si on fait des recherches, on peut savoir ce qui s'est passé. On retrouve quelquefois des informations. Mais je veux pas rentrer dans tout ça non plus, parce que... j'ai l'impression que c'est du voyeurisme ou enfin c'est pas ce que je recherche. Oui, mais c'est abandonné de toute façon. Oui, voilà, c'est abandonné. Moi, ce qui m'interpelle et ce qui attire mon œil et ce qui me touche, c'est l'architecture déjà dans un premier temps et le fait que la nature reprenne ses droits. Quand tu vois dans une cuisine où il y a encore de la vieille vaisselle, des vieilles gazinières, des vieux buffets avec encore de la nourriture à l'intérieur, et que d'un seul coup tu vois qu'il y a le lierre qui passe par une fenêtre, un tout petit éclat d'une fenêtre et qui s'infiltre comme ça dans la maison, qui va faire le tour d'une chaise. Quand tu vois les toiles d'araignée énormes et la nature reprend ses droits. Voilà, et c'est tellement beau et ça me touche. Alors, voilà, c'est beau, c'est bien que tu emploies ce mot-là parce que j'ai bien aimé tes images, parce que la coloration de tes images. Alors, tu as fait comment ? Tu as travaillé avec un pied, tu as travaillé sans flash, tu as travaillé... Alors, je suis une mauvaise photographe, parce que je vous rappelle que je suis la secrétaire de l'asso et Stéphane m'a demandé un jour de
voilà, d'exposer mes photos d'animaux à l'époque. Et je ne m'intéresse pas suffisamment aux outils pour retravailler mes photos, ce qui fait que c'est dans son jus. En fait, oui, je ne travaille pas mes photos, je ne les colorise pas, elles sont pas toujours bien centrées, etc. Je travaille avec un tout petit appareil photo et de plus en plus avec le téléphone. Ah, de plus en plus avec le téléphone. Bah oui, parce que quand tu te promènes, quand tu vas d'un lieu à un autre et que tu découvres un endroit, tu t'arrêtes. T'as pas forcément l'appareil photo sur toi. J'ai pas forcément. Ouais. Souvent, très souvent, je l'ai, mais je ne l'ai pas tout le temps. Donc, ça me permet de faire ces photos. Mais la coloration est quand même formidable. Et puis, tes cadrages sont sympas parce que c'est du carré. C'est un format carré, hein, si je me trompe. Non, c'est pas en carré. C'est pas carré. Alors, c'est un autre exposant, alors. Ouais. Mais, alors, si c'est pas du carré, c'est quel format? C'est du 50-40. 50-40. Mmh. Et les tirages, tu les fais toi-même ou tu les fais faire ? Non, je les fais faire. Comme je disais, moi, tout ce qui est technique et tout ce qui est logiciel de photo... Oui, mais alors, est-ce que tu es pointu sur le tirage des images ? Est-ce que tu fais très attention à la coloration ? Parce que là, les couleurs, elles sont super jolies, quoi. Je veux dire, c'est dans l'ambiance. Et puis, c'est un peu... Parce que t'as une luminosité, parce que... Bah, ce sont des endroits vieillots, donc avec des couleurs. C'est calfeutré, l'ambiance. Ah oui, tu vois. Donc, et puis tu joues aussi avec la lumière beaucoup. Oui. Alors, ça, c'est bien aussi. Bon, bah écoute, Virginie, formidable. Et tu présentes combien d'œuvres là? Pour nos 20 ans, là, à Gonfreville, j'ai exposé 10 photos. 10 photos? Oui, 10 photos. Alors, après, tu continues le sujet? Alors. Qu'est-ce que tu vas faire après? Parce que là. Bonne question. Elle aurait pu en mettre 600. Oui et non, parce que j'en ai quand même pas mal et des choses plus ou moins intéressantes, mais c'est très difficile de faire un choix. Enfin, pour moi, et toi, rien que le fait que d'en parler, là, j'ai les yeux qui brillent, ça se voit pas à l'antenne, mais parce que c'est plein de souvenirs, c'est plein d'anecdotes. Tu rentres dans la vie des gens. Alors, oui, mais. Plus que ça. Oui, c'est la beauté du lieu et puis tu écoutes le lieu aussi parce qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant aussi à ce que d'autres personnes n'arrivent pas. Je suis souvent seule, donc c'est la prudence avant tout. Oui, enfin voilà, c'est après voilà, c'est un petit côté de nostalgie en fin de compte que tu dégages là. Tu retrouves de la vieille vaisselle que on avait chez nos grands-parents, des meubles exceptionnels, mais tu découvres aussi des choses aberrantes en fait. Donc Alors t'as une certaine sensibilité sur ces images-là, oui. La parole te vient tout seul aussi. Moi je dirais il faut mettre par écrit tout ce que tu ressens. Tout simplement, déjà. Alors, après... ce serait un très beau sujet. En plus, l'abandon, pour moi, est important. Ouais. En effet, ce serait un beau sujet qui pourrait. Et tu seras encore à nouveau invité à RVL, dis donc. Ouais. Alors, on va refaire une autre pause musicale parce que, Virginie, ça a été un petit peu long. Je voudrais simplement dire que le fait d'aller dans les lieux abandonnés, il vaudrait mieux y aller à deux. Ne serait-ce que pour la sécurité. Oui, vous y allez tout seul, si vous arrive quelque chose, personne ne sait. Alors, en fait, je prends quand même des précautions. J'envoie un message pour dire où je suis avec le relevé géographique GPS. Je rentre à cet endroit à telle heure, je ressors à telle heure, et bien souvent, j'y retourne accompagnée. Mais il y a des moments où c'est pas forcément des lieux énormes. Enfin oui, quand on fait un manoir ou un château, on peut y passer des heures. Quand on fait une usine sur 6 étages pour faire des photos de graphes, on peut y passer 6 à 8 heures. Mais quand j'y vais seule comme ça, c'est vraiment bref pour faire une première approche et voir si on peut rentrer sans bien sûr fracturer ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment porte ouverte. Hein, tout donc, à fait. Voilà. Mais je t'inquiète pas, Denis, je prends mes précautions et je suis très prudente. Et depuis le temps, je fais très attention. Dernière petite question, est-ce que tu fais des prises de vue de nuit aussi dans ces conditions-là ? Oui, parce que il y a des endroits où il est difficile d'entrer parce qu'on passe devant d'autres habitations. Il nous arrive de rentrer au petit matin pour pas être vu par le voisinage. D'accord. Après, quand on ressort, moi personnellement, je m'en fiche un petit peu d'être vu. Oui,
oui, tu as fait tes photos. Mais quoi. Voilà, ça m'arrive en effet de rentrer de nuit et d'attendre que le jour se lève pour pouvoir prendre des clichés sympas. Quand tu as le soleil qui se lève, que tu es sur le toit d'un château, c'est merveilleux. Bon, ben on va passer à la suite. Alors, elle nous fait rêver la miss, là, hein, Stéphane. Tout à fait. On va faire une petite pause musicale, Romain. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Romain ? Je propose Renaud avec Trivial Pursuit. Très bien. D'abord, où est la Palestine? Sous quelle botte étoilée? Derrière quel barbelé? Sous quel champ de ruines? Question d'histoire encore, combien de victimes? Combien de milliers d'enfants dans les décombres des camps deviendront combattants? J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Question de géographie, où est la Kanaky? Combien de flics, de soldats pour tenir Nouméa? Pour flinguer les lois? Combien de petits blancs, de colons arrogants se partagent la terre et combien de misère pour le peuple kanak? Combien de coups de matraque? J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, moi. Question de sport, qui détiendra le record et restera vivant, libre et innocent, derrière des barreaux? 20 ans pour Othello, autant pour Mandela. Et combien dehors la loi, chez ces petits juges en bois, dont on fait les salauds? J'en sais rien, je donne ma langue chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Question science et nature, où balancer ces sordures? Allez, à la Vologne, ces chiens qui assassinent, ces rats qui emprisonnent. Question de littérature, qui a écrit que les hommes naissaient libres, égaux, libres mais dans le troupeau, égaux devant les bourreaux? J'en sais rien, donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Souffre-moi. Moi, j'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Souffre-moi. Et oui, vous êtes toujours sur RVL dans l'émission Photon en parle avec Dominique. Aujourd'hui, je reçois Zoom en scène. La parole était laissée à Virginie avec un très beau sujet sur l'abandon.
Pardon ? L'abandon, les lieux abandonnés. Les lieux abandonnés. Hein. J'allais employer le mot anglais, mais non, hein. J'ai été surveillé. Alors maintenant, je passe la parole à Denis Ahusseau, qui est photographe. Alors moi, je le catalogue toujours dans la mécanique, dans les sports mécaniques. Mais là, Denis, aujourd'hui, nous a réservé une chouette de surprise parce qu'il nous a fait des portraits. C'est pas à son habitude et qui plus précisément, il est en plein dans l'actualité. Alors Denis, t'es allé où en voyage ? J'ai été en Nouvelle-Calédonie car mon gendre est principal là-bas j'ai été passé 3 semaines en Nouvelle-Calédonie. Principal dans un collège ? Oui, dans un collège, oui. Ouais. Et t'as été invité là-bas et mais là-bas il y a pas de voiture comme au Mans, de canoë kayak. Non, mais il y a quand même quelques gens qui ont des belles voitures, voilà. Alors tu t'es intéressé, là t'as changé ton fusil d'épaule. Oui, ce qui m'a intéressé c'était j'ai été les photos par exemple pour les femmes ont été surtout faites. Il y avait une exposition sur l'artisanat. Et donc non seulement elles étaient dans les habits, des habits de fête. Donc ça m'a intéressé. Donc j'ai eu du mal parce que il y a des personnes qui étaient d'accord pour que je les prenne en photo et d'autres un peu moins. Et c'est surtout pour les hommes où c'était moins évident parce que ils savent pas ce qu'on va faire de leurs photos. Donc c'était pas évident. Voilà, mais bon, j'avais envie de montrer ce peuple, qui vit. En Nouvelle-Calédonie, c'est le problème, c'est que ils vivent quand même. Il y a deux. C'est un peu séparé. Il n'y a pas vraiment de mélange. Sur l'expo, c'était ça, je pouvais pas montrer. Mais voilà. Alors, c'est une série de portraits haut en couleur, quand même, puisque... Au format carré. Oui, j'ai choisi le format carré. Et pourquoi le format carré ? Parce que je trouvais que pour les portraits, je trouve que le format carré, ça marche mieux. Ou alors, il faut faire que des photos, si on les fait en 24-36, il faut faire du vertical, mais là, j'avais envie de bien resserrer. À part une photo où il y a deux canaques qui sont... dans les embrasures de portes, donc j'ai fait. Mais autrement, j'avais envie de serrer. Alors aujourd'hui, si tu retournais là-bas, tu pourrais faire les mêmes photos. Aujourd'hui, non, pas du tout. À l'heure actuelle, non, parce que j'arriverais. Je serais. Ils me considéraient où je suis, un métro ou un caldoche. Donc je pense pas. Et je pense pas qu'à l'heure actuelle qu'ils fassent des expos. Ils font, des expositions. Tu n'as pas de relation avec les personnes photographiées ? Non, pas du tout. Pas du tout. Si, j'ai parlé un peu aussi avec les femmes, puisqu'elles représentaient ce qu'elles faisaient en artisanat. Mais autrement, avec les hommes, non, pas vraiment de contact. Et les couleurs sont quand même. C'est pas les couleurs de chez nous. Hein, on mélange le rose avec le vert pâle. Pourquoi pas, c'est très coloré, c'est très joli. Bon. Et par contre, j'ai été aussi, j'ai pas les photos, j'ai été aussi dans la tribu, où on peut aller dans une tribu, manger chez eux. Et là, c'est vraiment, vraiment dans la brousse, hein, ce que j'appelle un peu la brousse. Et là, ils sont habillés, comment ça s'appelle là ? Je dirais normalement, il faut demander les invités. Par exemple, vous pouvez pas, vous pouvez vous arrêter au bord de la route, là, il y a une grande nationale, vous pouvez pas rentrer dans un chemin sans avoir l'autorisation de la tribu. Donc voilà. Tu peux pas t'arrêter faire des photos où tu veux, quoi. En réalité, Voilà. Donc, à Nouméa, c'est un peu plus mélangé, donc on peut faire un peu ce qu'on veut, mais autrement. En dehors, c'est moins évident. Bon, ça change des sports mécaniques, Denis. Oui. Oui, ça fait du bien d'avoir un petit peu d'humain dans cette exposition aussi. Et toi, Stéphane, tu exposes quoi, toi ? Alors moi, j'ai... Remets-moi en mémoire. On parlait justement de musique tout à l'heure. Alors moi, j'ai pris le choix de faire des portraits uniquement féminins d'artistes. Et j'ai appelé ça des soirées aux chandelles. C'est...
C'est H-A-N-T-S, diapostrophe E-2-L-E-S. Il y a un petit jeu de mots. Il y a un petit jeu de mots. Ouais. Voilà. Donc. Ça m'étonne pas de toi. Voilà, donc. de par mes activités professionnelles. Ouais, c'est ça aussi. Parce que t'étais ancien correspondant de presse. Pendant 20 ans, j'étais correspondant. Ouais. Le côté littéraire aussi qui ressort. Voilà, aussi. Donc. Ces jeunes années. Voilà. Donc, j'ai fait toute une série d'artistes. Alors. Pas seulement des chanteuses, mais aussi des humoristes comme Guy Edré, comme les Sea Girls, dans des lieux différents, le Festival West Park, le Tetris, le Sirocco à Saint-Romain, le Festival Chant d'Allo Havre, etc. Et donc j'ai mis à la fois la nouvelle et l'ancienne génération, puisqu'on va de la chanteuse d'Erita Mitsuko. Oh. Ah, voilà. Oh. Catherine Ringer, que j'ai connue jeune, jusqu'à la très jeune génération, Oshi, Suzanne, par exemple. Oui, donne voilà. Des noms parce que là. Tu voilà. Vois, et puis l'une des photos marquantes entre guillemets, c'est celle de Yael Naïm. C'est une photo que j'ai prise le 20 novembre 2015, quelques jours après les attentats du Bataclan. Et en fait, dans l'esprit de l'époque, c'est un traumatisme que de retourner dans un concert et que de maintenir des concerts, parce que beaucoup d'artistes, toutes salles, avaient décidé d'annuler leurs événements, sauf au Tetris où l'équipe s'était réunie afin d'en discuter, avait décidé de maintenir le concert de Yael Naïm. Et pour la symbolique, qu'une chanteuse israélienne francophone maintienne son concert après un attentat au Bataclan, je trouvais l'image assez bonne. Et on se souvient, pour ceux qui étaient, que de l'ambiance pesante, j'en reparlais encore avec des agents de sécurité qui étaient là à l'époque, qui se souviennent bien de l'ambiance qui pesait dans la salle. Et donc c'était un très très beau concert. Donc toutes ces images, alors tu présentes combien d'images d'artistes toi? Alors j'en présente 9. 9. Parce que j'ai cassé un cadre. Voilà, ouais, désolé. Le président donne l'exemple. Voilà. Voilà. Et ces images sont réalisées tous au Tetris là ou il y a un petit peu aussi sur... Un petit peu partout. Un petit peu partout. Voilà. Et donc là pareil, rien n'est alors, retouché. Aujourd'hui, rien n'est retouché. Rien n'est retouché. C'est brut. Aujourd'hui les salles de concert, tout ça, faut avoir une grosse accréditation, faut faire partie de la presse, faut faire partie du staff des artistes ou pas, ou comment ça se passe, parce que je vais faire l'ancien, de mon temps... Fallait coopter. Alors ça se passe comment aujourd'hui? Alors, j'ai envie de dire, je vais faire une réponse de rebond. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des salles, ça dépend des directions, ça dépend de l'artiste. Parce que des fois, on a des. Je prends l'exemple du Festival West Park. Que l'on couvre régulièrement. Bon, nous, avec Wilfried, on est là depuis le premier jour. Donc, on a fait tous les festivals, on a toutes les... Ça. Nous sommes un peu la mémoire du festival. Oui. Attendez, ça viendra. Voilà, c'est ça. Et en fait, à chaque début de festival, à chaque soirée, la responsable de la com vient nous voir, tout le pôle photo, et il nous dit, artiste par artiste, combien de photos sont autorisées. Des fois, on a des demandes un petit peu originales. Ouais. Que les 4 premières, les 5 dernières, 2/4 de loin, de face, machin. Okay. Donc c'est... Oui, là, c'est... Ou bien il y en a, c'est, ils s'en foutent. On peut faire tout le concert, voilà. Alors, et c'est souvent les artistes qui sont le plus connus, qui sont les moins chiants. Oui, c'est fort possible, ça. Voilà. Oui, tiens, on en a connu un, d'ailleurs, Stéphane. C'est ça. Tu te souviens, tous les deux? Un jour, on est rentrés tous les deux chez nous de bonne heure. C'est ça. Et le nom de l'artiste, c'est Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat. Oh, purée. C'était voilà. Bien. Bon, là. Pas d'interview, pas de rencontre de public, pas de photo. Voilà. Merci, donc, on a dit, au revoir. Ben, pour la presse demain, vous aurez rien dans le journal, quoi. Voilà. Mais ils s'en fichaient pas mal, quoi. Et un autre qui était super sympa, c'était Claude Nougaro. Ah, ben, Nougaro. On va. Avec qui on a fini dans la loge, quand il a sorti sa bouteille de whisky, mais fallait pas le dire à sa femme. Voilà. Non, fallait pas le dire à Hélène. Ça, c'est des bons souvenirs. Ça fait ancien combattant un peu. Ouais. L'heure tourne, oh purée. Et on a encore plein de choses à voir, mais il faut qu'on parle aussi des autres copains, Wilfried Lamotte, Sébastien Lambert, Jean-Marie Hure et Gérard Hourdin. On va faire d'abord une petite pause musicale et on revient sur eux tout de suite
Après, Stéphane, tu vas nous en parler. Vous, les copains, vous pouvez en parler aussi de vos petits collègues. Alors, Romain, tu nous proposes quoi comme chanson ? Alors, c'est la chanson « En route pour la joie » de Noir Désir. Je crois que c'est une chanson de Gilles Servin. Gilles Servin, c'est ça ? C'est pas non. Ça ? Non. Non, c'est Noir Désir. Noir Désir, d'accord. C'est Noir Désir, monsieur. Ok. Trump. Et oui, vous êtes bien sur RVL dans l'émission Photo n'en parle avec Dominique et ses invités de l'association Zoom en scène. Virginie, je voudrais que tu nous parles d'un auteur qui expose, qui n'est pas présent dans le studio. C'est Sébastien Lambert. Sébastien Lambert. Et Sébastien, lui présente quoi ? Alors, il nous présente des photos qui sont inspirées par la culture geek. Il va utiliser des personnages tels que Dark Vador, des aliens, Indiana Jones, les gardiens de la galaxie, etc. Et en fait, il les met en scène en composant des décors où il les emmène dans des lieux également pour prendre ses clichés. Et j'avoue que c'est très intéressant. C'est assez bluffant. Parce que, ah oui, c'est vraiment bluffant. Il va trouver des petits objets pour. Je me rappelle d'une des photos où il va justement faire en sorte que ça nous rappelle un studio de radio avec plein de petits objets qu'il met. Tout autour de ces personnages pour nous rappeler ce lieu. Donc Sébastien, c'est la première année qu'il expose avec nous.
Seb, c'est un ami d'enfance, hein, au même titre que Stéphane et Wilfried. Moi, je les connais depuis qu'on a une quinzaine d'années. Donc, ça date. Et je suis ravie qu'il ait rejoint Zoom en scène et qu'il puisse nous proposer ses clichés. Donc, il y a 10 clichés également. Alors, c'est un jeune, hein, je crois. C'est un jeune de notre âge. De votre âge, voilà, oui, c'est ça. Parce que je crois voir sa tête, je l'ai vu à l'inauguration. Il est jeune, tout jeune, mais il a notre âge. Voilà. Hein, il a passé les 5 ans. Et là, il a un projet d'exposition, je crois. C'est lui qui a un projet en Normandie. Oui, oui, tout à fait. Ah, il voilà. expose Donc, à partir de la semaine. Oui, non, c'est lundi. À partir de lundi, il expose dans le hall du Normandie. Donc, une autre série d'images. Alors là, il va proposer une trentaine de photos. Une autre série, mais toujours sur le même thème. Et dans le lieu emblématique du Normandie, j'avoue que je suis vraiment fière qu'il puisse exposer là-bas. Voilà. Alors Denis, toi, tu vas nous parler d'un autre exposant qui s'appelle Gérard Gourdin. Ah, Gérard Gourdin, d'accord, ok. Alors lui, je vois qui c'est. Oui, ben, c'est un grand voyageur. Je le connais depuis nombreuses années, puisqu'à un moment, il est passé à la SHP. Donc, ses photos, c'est revenu d'un périple photographique en Ouganda. Il nous compte sa rencontre avec Marc Levlider-Bach, un gorille dominant de la montagne, vivant dans sa tribu sur les pentes escarpées du volcan Virunga à près de 3000 mètres d'altitude. Donc il est arrivé à faire une approche, une belle approche où il y a des beaux regards. Et après, il a été sur une autre colline moins élevée où il a rencontré une famille paisible de chimpanzés en compagnie de quelques papillons. Mais chez Saint-François, il est arrivé à... Il y a une photo qui m'a beaucoup plu, où vraiment, il y a le regard du chimpanzé, un magnifique regard. Et le côté joueur également des chimpanzés, c'est bluffant. Mais alors, encore et des petits enfants. Ouais. Il voyage tout seul, ce monsieur ou... Ça, je ne sais pas. Donc là, c'est un baroudeur, parce qu'on le voit partout sur la place du... Là, il revient tout juste du Kenya. Oui. Où là, il a fait une autre série de photos avec un groupe et il a fait aussi il a suivi un spécialiste de la photo de vue du ciel de nuit de voie lactée etc. Et vous pouvez aller voir sur sa page Facebook Gérard Gourdin, c'est assez bluffant. Donc c'est assez bluffant. Il voyage dans les étoiles et autour du monde. Ah, très bien. Et puis là, Stéphane, tu vas nous parler de Jean-Marie Hure, que tu connais très bien. Oui, 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 tout à fait. Jean-Marie, lui, il a voyagé, mais plus près de chez nous, en utilisant le thème des reflets. Il a beaucoup utilisé le thème, la matière eau, en fait, pour photographier des lieux... En forme de miroir, de lac. Pour lui, la nature nous offre de jolis reflets grâce à l'eau. Et ils sont là presque autour de nous, ils sont éphémères. Il suffit de les chercher et de laisser libre cours à son imagination et à sa créativité pour les photographier. Je pense notamment à l'une de ses photos préférées, c'est une usine d'électricité sur la Vienne, à Vienne, qui se reflète, mais... vraiment, on dirait un copier-coller du réel vers le reflet, c'est assez bluffant. Il a aussi photographié la fameuse Katen qui est sous Southampton. Ces reflets, ça donne des idées aussi, parce que moi j'en ai fait ce genre de choses. Oui, les mettre à l'envers. C'est ça. C'est pas mal non plus, ça. Hein. Et comme on vient d'écouter Noir Désir, ça me rappelle un titre, À l'envers, à l'endroit. À l'envers, à l'endroit. Et il faut rappeler aussi que le thème de l'eau, on l'avait fait, c'est un thème que nous avions fait et que nous avons exposé il y a quelques années. Oui. Ouais. Et puis, il faudrait parler aussi de notre ami Wilfried Lamotte, là. Qu'est-ce qui nous fait de beau, le Wilfried? Donc, c'est toujours ces musiques actuelles. Oui, oui, tout à fait. Alors j'ai vu l'exposition. Excuse-moi, je te coupe, Stéphane, mais j'ai trouvé super bien présenté. Comme on dit dans le jargon, photo bien léchée. Hein, une photo qui est bien léchée, c'est une photo qui est bien présentée, qui est jolie. Il y a rien à redire en réalité. Même si on n'aime pas ce genre d'image, parce que c'est quand même hard rock, je crois. Enfin, c'est très rock and roll. Rock and roll. Voilà, c'est ça. Hard rock, non. C'est l'ancien.
Excusez-moi. C'est, non... c'est plus rockabilly. Donc, Wilfried est toujours branché, ce genre d'image. Et je trouve que c'est une réussite ce qu'il a fait encore là. Il se dépouille. Et puis, alors, tu peux nous expliquer un petit peu quel genre d'image ? Comme chacun sait, Wilfried est un amateur de rock et de scène musicale, et c'est aussi un professionnel du métier sur scène. Donc, il a toujours marié ses deux passions, que sont la musique et la photo. Encore la preuve aujourd'hui, il ne saisit pas les artistes dans son objectif en pied de scène. C'est donc il est sur scène en tant que technicien du spectacle, et depuis plus de 30 ans, son univers photo s'épanouit ainsi. Et cette nouvelle série exposition rock'n'roll présente des clichés inédits avec des groupes comme Radio Borman, Santa Cruz, Fred, donc Fred qui est un groupe local, puisque son leader est professeur d'anglais au lycée Jean Prévost. Ah bon? Oui. On apprend des choses. David. Salut David. On apprend des choses dans cette radio de RVL quand même. Hein. Je vais vous écouter. Alors, excuse-moi Stéphane, mais moi je suis un peu largué par rapport à tous ces groupes-là, quoi. Alors, toi Stéphane, maintenant, tu vieillis? Parce que je t'ai connu. Non, je suis pas vieux, je suis vintage. Oui, c'est ça. Nous, Denis, on est plus que vintage alors. Donc, on est un peu largué par rapport à ce monde. Mais toi, est-ce que tu es encore dans la move, dans le mouvance ou de ce genre de prestations musicales? Alors, je vais te dire un truc. Même mon fils, qui est jeune prof de 25 ans, il se sent largué. Dans le coup, imagine-moi. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai avec la jeune génération. De collège, alors on parle pour collège à Caille. Mais bon, quand je me dis que Little Bob, qui a 84 ans, est toujours en tournée et toujours en concert. Il a tout est permis. Oui, c'est une grande génération, quoi. Voilà. Je veux dire, c'est Little Bob. Il est venu à Montivilliers plusieurs fois, tout à fait. Oui. Je me souviens, il est venu au lycée Jean Prévost avec Monsieur Le Forestier, qui l'avait invité. Il y avait une rencontre. C'est très vieux, ça. Et pas plus tard que le 6 juin, j'étais devant ma télé en train de regarder les commémorations pour les forces britanniques. Et Tom Jones, 84 ans, chanter à cette occasion, toujours en pleine forme. Voilà. Et comme quoi. Bon, on va parler, chers amis auditeurs. Le rock'n'roll conserve les artistes. On est dans la comme musique. Comme disait Gainsbourg. La fumée conserve la viande et l'alcool conserve les fruits. Oui. Alors là, tu t'en vas sur une mauvaise pente, Stéphane. Je pense que je vais en parler à ton médecin. Alors, chers amis auditeurs, l'émission va bientôt se terminer. Est-ce que l'association Zoom en scène, elle a des projets? C'est évident, puisque vous avez déjà fait 20 ans. Alors, est-ce que le cap, c'est d'aller le plus loin possible? Je pense que oui, mais d'agrandir un peu les rangs, de trouver de nouveaux adhérents, de nouveaux lieux. Et quels sont vos projets aussi? Est-ce que vous avez des projets? Alors, oui, parce qu'en fait, les 20 ans, ce ne sont pas que cette exposition-là. C'est une autre exposition qui aura lieu à Gonfreville-l'Orcher à la rentrée de septembre, une expo hors les murs, qui sera donc avec des formats carrés qui seront exposés sur les grilles du square de Telto, en plein centre-ville. Cette exposition sera mise en place à l'occasion du week-end de la fête des associations de Gonfreville et accompagnera l'ouverture de la saison culturelle de Gonfreville aussi. Voilà. Et on a aussi d'autres projets avec la ville de Gonfreville, car chaque année nous sommes sollicités pour participer au Salon des sciences et techniques. Sur des thèmes aussi, on l'a fait avec Denis notamment l'année dernière, sur le thème du son. On avait aussi travaillé sur le vent avec des photos de cerf-volant, de sport de voile. Donc c'est vraiment des thèmes qui s'imposent à nous et qui sont intéressants à travailler, parce que du coup faut qu'on se cogite un petit peu, oui. Qu'on se réunisse et qu'on voit ce qu'on fait, quel angle on approche, qu'on fasse pas les mêmes photos, donc c'est bien. Quand vous préparez un projet d'exposition, une manifestation, c'est les deniers de l'association qui financent nous avons une subvention de la ville de Gonfreville-l'Orcher qui nous a soutenus même pendant les périodes de confinement du Covid, et nous le remercions. Et c'est aussi grâce à l'adhésion des adhérents.
Voilà. Ah, très bien. Donc, est-ce que vous avez encore de la place pour de nouveaux adhérents ou vous prenez encore des adhérents? Non, pas trop, parce qu'en fait, nous ne sommes pas un photoclub. Nous ne formons pas. Voilà, on est plus un collectif de photographes. Indépendants. Indépendants. Et c'est un peu une volonté qu'on. De se regrouper sur des. De adhérents. Se regrouper sur des petites, petites structures. Et bon, il y a des arrivées, des départs. C'est comme dans les équipes de foot, en fait. Hein, c'est toujours le même nombre, mais oui. Y a des remplaçants qui rentrent, des titulaires qui sortent. C'est la vie d'une asso, quoi. Voilà. Ouais. Alors la trésorière, elle, on peut lui dire un petit mot quand même sur la trésorière. Oui. Parce qu'elle est pas là, mais elle fait quoi la trésorière? Bon, à compter deniers. Oui. Bon, et toi, Stéphane? Oui. Quand on a besoin de sous pour ton association, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Et bah, comment tu l'amadoues, la trésorière? Elle dit « Oh, tot, tot !» Ça, c'est bien normal, ça. « Oh, tot, tot !» Elle fait « Oh, tot, tot !» d'abord, après, elle regarde. Ah oui, d'accord. Comme pour l'achat de matériel. Ouais. Voilà, hein, Denis était là. Alors, en même temps, on a eu de la chance cette année. Oui. Ça, on a pu renouveler nos cadres. Voilà. Et ah oui, vous avez de très jolis cadres. Voilà. Ouais. Parce alors, qu'en fait... le lieu de l'exposition, on est très cauchois. Oui, on est très cauchois, en fait. Ah oui, Gripsou. On est cauchois. Non, on n'est pas Gripsou. On prévoit, c'est pas pareil. Ah, on prévoit. On prévoit des budgets de. Alors, on s'autofinance. Et donc là, on a changé pratiquement super joli, des cadres. Dizaines de cadres. Ouais, ouais, d'accord. Okay. Voilà. Et l'association a participé jusqu'à une certaine somme au financement des tirages de ses membres. Ah, ouais, c'est bien ça. Voilà. C'est bon. Parce que financièrement, cette année, on. Et vous faites tirer chez qui, ouais, je suppose, chez le même, chez. Non, chacun tire de son côté. Alors moi, je suis. Moi, j'ai fait tirer chez Créapolis parce que. Également. C'est la première fois que j'allais chez eux. Moi, chez Visual Concept à Montivilliers. D'accord. Voilà. Mais parce que toi, tu as des liens professionnels aussi avec ce monsieur, peut-être, non? Et puis, moi, c'est pas des tirages photos, c'est de l'impression. C'est l'impression. Sur papier qualité. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs choses. On peut faire des tirages photos, oui. On peut faire du traceur. Ce que propose Créapolis WAF, c'est très bien. J'ai fait tirer pour un jeune photographe, enfin un peu moins jeune maintenant, une exposition. J'étais très surpris de la qualité. C'est très, très bien. Voilà. Voilà. Donc, bah, écoutez, mes amis, on va se quitter sur ce. Et puis, Stéphane, l'exposition, c'est jusqu'à quand? Donc, l'exposition a lieu jusqu'au 23 juin à l'espace culturel de la Pointe de Coux à Gonfreville-l'Orcher. L'entrée est libre. Elle est ouverte les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h. Et c'est une exposition itinérante. Si des lieux souhaitent l'accueillir, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook Zoom en scène. Très bien, Stéphane. Denis, tu as quelque chose à ajouter? Non. J'ai pas d'exposition. Bon, alors, non, je vais vous dire une petite chose. Denis, il est là dans son fauteuil. Mais vous savez, il devrait être devant son poste de télévision à regarder le départ des 24 heures du Mans. Là, il nous a fait un grand plaisir de venir. On te remercie, Denis. Et puis, parce que Denis, cette semaine, il était au Mans à faire les essais. C'est ça, Denis? Donc, c'est un spécialiste de la voiture. J'espère qu'un jour, Denis, mais ça fait je sais pas combien de fois je te le dis, on aura une belle exposition de tout ce que tu as pu faire sur tous les circuits automobiles de la région. Et de France plutôt, excuse-moi, d'Europe même, parce que Denis connaît toutes les voitures, tous les chauffeurs, tous les moteurs, enfin chauffeurs, tous les pilotes, pardon, tous les moteurs et toute la vie qui tourne autour de l'automobile. Je ne fais pas que des photos d'automobile, c'est vrai que je fais beaucoup de photos de sport. Voilà. Donc, voilà, du canoë-kayak, du handball, oui, du handball à Havre et ainsi de suite. Voilà, chers amis auditeurs. Eh ben, je vais Virginie. Ben, écoute, j'espère que tu vas continuer dans ton sujet, t'éclater, écrire aussi. J'aimerais bien, parce que je pense que ça aurait été super sympa. Ah oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ben oui. Il faut. Et les 16 heures, je crois, à la pendule à RVL. On va se quitter. Mais avant, juste une petite annonce à faire. Je peux, Romain, je te remercie, Romain, d'avoir assisté à la technique. Alors, chers amis de RVL, c'est vrai que le temps passe très, très vite. On avait encore, je pense, des choses à dire, mais on a été à l'essentiel. Je voudrais annoncer quand même des expositions. Alors,
il y a plusieurs expositions dans la région. Alors, un nouveau lieu d'exposition, c'est le cabinet médical Place de l'Église à Montivilliers, exposition d'Emmanuel Eudes sur Étretat en noir et blanc. Alors, super tirage, très très belle exposition. Il y a aussi un Blue comme Orange à Montivilliers, c'est une agence de communication, voilà, merci Stéphane. Alors là, il y a une exposition de Stéphane, et ben voilà, Stéphane, pardon. Stéphane Dubois. Oui, c'est pour voir si vous suivez, mais là, hein, vous êtes dur, et vous le connaissez Stéphane, hein. Voilà, donc après, il y a une autre exposition à venir au mois d'octobre. C'est encore une exposition d'Emmanuel Eudes, mais alors là, ça va être une nouvelle. Alors là, on parle pas du sujet, c'est top secret pour l'instant. Il va exposer en avant-première quelque chose à la MISC tout le mois d'octobre. Alors, ce seront des photographies en noir et blanc aussi. Et là, ça sera pour lui une première. J'en suis assez fier, d'ailleurs. Et puis, il y aura une autre exposition. Alors, on parlait du SEM tout à l'heure, au mois de novembre, au Centre d'expression musicale, sur le jazz, puisque l'association Imagerie Normande travaille depuis 2 ans sur un projet d'exposition. Et ça va être une première d'exposer le jazz au SEM. Encore une autre exposition au mois d'octobre à l'abbaye de Montivilliers avec le salon de regard et images. Alors avec un thème un thème sur l'amour, oui voilà c'est ça, et j'ai eu Denis Poupel vite ce midi, il m'a envoyé un petit mot, et c'est un salon haut en couleur. L'exposition va réouvrir la salle de l'ancien réfectoire, va réouvrir si je me trompe pas au mois de septembre, Stéphane, c'est bien ça. Et puis et le titre de l'expo, c'est All We Need Is Love, en hommage aux Beatles. Voilà, c'est ça. Il m'a envoyé une photo, mais c'est très joli parce que ça va être que de l'amour, quoi, si c'est je comprends bien dans cette exposition. Et puis il y aura aussi, je crois, au mois de septembre, un rassemblement aussi autour du 80e anniversaire dans le réfectoire de cette abbaye, si je me trompe pas. Voilà, chers amis, merci Romain, merci de nous avoir laissé 3 minutes en plus. C'est chez moi, c'est comme ça. Il y a toujours 2 ou 3 minutes en plus. Non, mais il y a pas de problème. Hein. Je m'excuse de t'avoir. Pris un peu de ton temps, et puis je te remercie au passage. Merci, chers amis invités, et puis sur la photographie. Au revoir, à très bientôt, au mois de septembre, puisque les vacances, c'est sacré.